Mais qu'est-ce que vous faites, Croutel? Ah bah, c'est la gloire. Écoutez, ça y est, on gagne trop de blé. On gagne trop de fric. À la vôtre. Chacun son vice. Hein. Ouais. Pour l'instant, je fais un petit joueur. Alors, avant de lancer le jeu, je peux remercier quelqu'un? Allez-y, je vous en prie. Je souhaiterais remercier vivement la personne qui nous a envoyé le jeu. Ah non, je pensais que c'était moi que... Ah non, mais ça, non, toi, non. Non, la personne qui nous a envoyé le... Qui nous a offert le jeu vidéo. Qui nous a offert le jeu vidéo. Ça, c'est quelque chose. Quel est le jeu auquel on va jouer, Croutel? Subnautica. Subnautica. I'm attempting a controlled descent. Qui veut dire... J'en sais rien, c'est dans la mer, mais... Dans la mer. Je suis dans la mer. La vie sous-marine. La vie sous-marine. Pas Marine Le Pen. Hein. Oh là là. La vie aquatique. Bah, apparemment, vous avez apprécié. Oh, c'est un jeu fantastique. Mais c'est autre chose que cette merde de Forest de la dernière fois. C'était pas une merde. Subnautica, je sais pas nager, mais j'y arrive. Puisqu'on est sur la chaîne du savoir technique, vous allez nous apprendre comment on joue à Subnautica et comment on termine le jeu. Ah, je sais pas, j'ai pas fini encore. Ah bon, faut pas le dire. Comment on termine le jeu? Full, 100%, tout est terminé. On constate quand même, mes petits amis, vous avez le jeu depuis deux semaines. Croutel a joué 2 jours, 22 heures, 32 minutes. C'est pour vous dire que vous allez en prendre plein la gueule. Vue. C'est parti. Je vais arriver dans ma base nautique, parce que j'ai construit une base sous l'eau. La personne qui commencera le jeu, elle va arriver dans une petite soucoupe de merde. Ah, le but du jeu, c'est de... Voilà, de sortir de ce monde fermé, et puis d'aller oser sous l'eau, chercher de quoi se nourrir, et puis de quoi construire. Ça s'appelle du crafting. Oui, c'est ça. Comme Minecraft. Alors, je vous dis maintenant, arrêtez de proposer Minecraft à Croutel dans les commentaires. Il n'aime pas Minecraft. Non, faut que ça soit beau. Parce que c'est moche. Moi, j'aime bien quand c'est joli. Voilà. C'est la cocaïne, hein. La tuyauterie quand même a pris un coup. Alors, attendez, il faut d'abord qu'on dise, avant de commencer le jeu. Oui. Tout de go. Tout de go. Regardez tout ce que j'ai construit avec mes petites mains. C'est pas joli? Alors sur l'écran là, je viens de voir absorption d'eau immédiate. Oh oui, je vais aller boire un melon, manger un melon. Je vais vous faire visiter ma propriété. Donc vous voyez, j'ai un immeuble, la Trump Tower, là. Voilà les melons. Donc, Croups. Je le croups, j'en croups, c'est trop. Oh, c'est des gros melons. Oui, oui. J'ai mangé les deux gros, et ça c'est des petites graines que je vais utiliser. Ah voilà, donc, vous pourrez récupérer dans vos matières fécales ou... Non, là vous voyez, j'ai un couteau. Et c'est un couteau laser. Oui, pour le faire, le couteau, vous vous démerdez, vous allez dans la nature, il faut trouver du silicone et du titane. Mais déjà, moi on me donne du caoutchouc et du titane. Ah non, mais j'ai une machine qui fait ça. Vous avez un KitchenAid. Je vais vous montrer le fabricateur. Ah bah on dirait comme dans les stations service pour changer les bébés. Je peux vous faire un truc rapido. Faites-moi un truc. Je regarde. Un petit frishti comme ça sur le pouce. Alors oui, je peux vous faire un couteau si vous voulez. Donc, c'est vrai? Oui. Vous m'offrez un couteau, bah, je vais vous donner la petite pièce du coup. Alors, on va aller chercher du titane et du caoutchouc. J'ai fait des armoires pour stocker tout ce que je ramène. J'ai même fabriqué les armoires. Est-ce qu'elles sont faites en titane, les armoires? Oui, oui. C'est vrai? Oui. Les armoires pour mettre le melon, elles sont faites en melon? Mais il est court. Non. Voilà, j'ai pris du caoutchouc, vous voyez, et du titane. Écoutez, ah, ça y est, on a les deux ingrédients du couteau. Je me rappelle que je suis complètement saoul. Hein. Oui, un couteau pour mon fils. Donc vous allez voir les deux petits lasers. Oh là. Ah bah, c'est énormément de problèmes. Et me blague un couteau. Je pourrais manger des melons. Excellent ce jeu. J'ai réussi à trouver le craft d'un bio. Un bio quoi? C'est une chaudière qui marche avec des éléments organiques. Donc je mets toute la merde dedans. Alors j'ai une boîte à merde là. C'est écrit quoi dessus? J'ai rien mis. J'ai rien mis parce que j'ai pas trouvé. Il me semble que le nom est tout trouvé, donc vous allez l'écrire tout de suite. Voilà, merci. Voilà. Je continue. Je suis très fier de ma petite société. Bah ça se sent. Hein. Vous voyez, c'est quand même vaste hein, comme arrêtez. On sent que vous êtes un peu fier de vous. Là, c'est juste décoratif les petites plantes là. Oui. Ah. Et. Ouais, Croutel sait soigner son intérieur. Mais ça m'aide à me repérer aussi quand je la vois.
quand je la vois, je sais où je suis. C'est où les chiottes déjà? Et avant de descendre, j'ai mon armoire pour m'équiper. Ça c'est génial. C'est un piège à gravité. Ça tue les poissons dans un rayon de 7 km. Ils sont vivants, ça les tue pas d'ailleurs. Ah, c'est un taser à poissons. Bah oui, c'est un taser. On va aller dans la mer. On va faire le petit tour. Je me suis construit un truc parce que ça, c'est un scanner. Vous voyez, c'est un scanner. D'accord. Ça, donc, ça avait une grosse merde bleue au milieu de la pièce. Non, ça fait pas une grosse merde bleue. Attendez, je lui demande de chercher ce que je veux. Il y a pas beaucoup de double cliquettes là pour l'instant. Ah, non. C'est un logiciel de gestion de liste de courses pour l'instant. Ouais, je veux de l'aventure là, attention. Ah bon, alors l'aventure. Ah, on va à l'aventure. On y va. Ah bah, je vais prendre ma voiture. Voiture ? Non, comment ils appellent ça ? Un simoufle ? C'est une salle d'immersion. Yes. Que j'ai construite aussi de mes mains. Avec extrêmement prétentieux. Simos. Ah là, Simos, c'est chenille, voilà. Chenille de la mer. Là, on y va. On s'y connaît en chenille, on est chenille. Voilà. Mais il me faut un objectif, rien à foutre. Donc, je vais aller vite fait chercher de l'eau potable. Ok, on fait une ellipse. Bon, alors, je vais aller directement chercher de l'eau par là. Je vois pourquoi tu parles, hein, on est en ellipse. Bon, bah, je ferme ma gueule. Donc là, on va chercher une épave, voilà. C'est ça ? C'est l'aventure. Tiens, là, l'épave. J'ai des appareils, là, qui me permettent de faire, de scanner, de baliser. Ah. Et ça, c'est ça, un c'est scanner. Ça, c'est pour faire des étiquettes. Croutel. Ça, c'est moi qui l'ai fait de mes mains. Croutel, partout. J'ai alors qu'il fait. Est seul, le mec. Ça, c'est un cyclac, passer... c'est pour aller très vite, ça. Ah, ça vous tire. Vigne d'Orin. Ah, c'est l'algue qui s'appelle Vigne d'Orin. Ouais. C'est joli. Et non pas Vogne d'Urine. Vous voyez, ça commence l'aventure. Moi, je veux l'aventure. Oh oui, non, mais je veux pas mourir, moi. Ah, vous voulez pas l'aventure? Bon, bah, bonne soirée à vous. Mais non, mais... Ah oui, mais c'est vrai qu'avec ton cinéma, tu fais ce que tu veux. Ton cinéma. Je voudrais trouver des cailloux pour te montrer que je peux casser des cailloux. Tu vas me prouver ta force. Oh là là. Bah là, ça va être la mort. Il me faut de l'oxygène. Oh, oh là là, on est chaud. Ouais, oh là là, ça y est, il m'attaque. Défonce-le là. Oh là, vous voyez, il jouait avec l'autre bout de ferraille là, regarde. Ah, il est marrant. C'est un petit coquin en fait. Oui, bah je vais lui baiser. Oh, tu veux baiser la solitude qui fait dire des choses comme ça? Ah bah ça, c'était une remarque que je voulais faire. C'est un jeu où on est vraiment seul. J'ai le cafard. Est-ce que c'est un moyen poli de nous dire que ça vous arrive de vous frotter contre des poissons? Je me frotte. C'est votre ex le poisson? C'est pour ça qu'il vous attaque? Ah là. Je me sens bien dedans, hein. Je veux dire... Dans le poisson ou dans le... Non, dans le cibouf. Okay. Alors, est-ce que il y a une histoire? Bah, je pense que oui. En 70 heures, vous pensez qu'il y a une histoire? À part cueillir des melons, vous n'êtes pas équipé pour partir chercher vos copains? Oui, mais savez-vous qu'il y a aussi j'ai le crash d'un sous-marin. Le crash? Le scratch ou le quatch? Le quatch. Je vais aller au nord. Il y a les corons? Non, il y a une île. Et elle est particulière, cette île. À mon avis, il y a une société... Enfin, des extraterrestres dans le coin. Oh là, vous n'êtes pas en train de verser dans le complotisme. Ça existait le 11 septembre, on est d'accord? Oui, bah oui. Oui, ouais, d'accord. C'est dommage, j'aurais mieux fait de viser la Trump Tower. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ça fait partie des installations, à mon avis, extraterrestres. Et quand t'approches, ça s'allume un peu? Ah oui, ça s'allume au fur et à mesure que t'avances. Ah, bah c'est encore un truc de nature à découvrir. Le roi Merlin aussi, ils sont bien. Allez, le roi Merlin pour réussir chez Casto et à tout ce qu'il faut. On va essayer de placer le beau Castoche le plus souvent possible. Envoyez les sous, hein, par contre, après. Bah, je veux pas y aller parce que c'est... Ah bah si. Ah bon, bah y a rien à faire. Il y avait des cubes de ions à récupérer. Des cubes de ions. Et qui servent à ouvrir des portes pour passer dans une autre île, par exemple. Je veux faire ça, moi. Et on va retourner à la maison chercher des ions. C'est Castoche, hein. Alors, je vais courir. On peut courir depuis tout à l'heure. Merde, je me suis fait mal. Le mec, il court 20 mètres, il se foule la fille direct. Je me paye le Simoff. W. Comment c'est possible, ça? W. Je vous annonce que Croutel n'a pas mis son clavier en QWERTY. Donc là, Croutel avance avec la touche W et recule avec la touche S. Mais c'est un enfer que vous devez vivre dans votre tête. Voilà. Ah, avec qu'est-ce que conneries. C'est? C'est encore une ex à vous, ça? Je sais pas, mais... Je sais pas, vous rappelez pas d'elle? Putain, mais vous êtes bourré en permanence. Ah non, ça, je prendrai plus de coke, moi. Là, tu peux faire une ellipse, là. C'est une technique assez compliquée. Faut que je fasse un mouvement et ça fait une ellipse tout seul. Donc là, je vais aller vite fait chercher les ions. C'est Castoche, hein, les ions, n'oubliez pas. Et c'est écrit sexe sur l'armoire d'à côté? Hein? J'ai lu sexe hein, sur l'armoire d'à côté. Faites pas votre innocent. Sel. Ah bon? Ah, j'ai lu sexe, j'ai désolé. Il est bien endommagé, le bazar. Il faut le réparer. Donc, je vais le réparer. Oh putain. Ah bah oui, bah, c'est pour ça que ça me plaît, c'est qu'il y a de la bricole, il y a du jardinage, il y a de la joliauté. Je suis à fond, là. Je crains.
On dirait un peu qu'il vous regarde le truc. Il y a des trucs qu'on peut rajouter dessus. Un petit chapeau. Des bras manipulateurs, des trucs comme ça. Ah, vous voyez ça, je prends. C'est de l'or. J'aime bien récupérer, stocker, ranger. Ça, je peux en témoigner. Je peux pas m'empêcher. Ah, ah. Voilà, donc il faut que je pose mon yon sur le truc là. Je prends le yon, déposé. Combien? Tu l'as mis au sol. Et comment je fais? Vous pouvez pas juste passer dans la porte. Ah non, non, tant que j'ai pas... Faites-le pour voir. Ah ben c'est sûr. Ben, on va voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti! Oh, vous me fatiguez. On est allé chercher un yon pour rien du tout. Hein. Mais si, je suis sûr. Mais moi, je fais rien. Et ben voilà, vous êtes arrivé, il n'y avait pas besoin de yon. Les yons, c'est du bidon. Ah, mais du coup, vous n'êtes pas si loin parce qu'on voit aussi le vaisseau... Ah bah oui, je suis à 1 km. Les mecs ont installé des cubes géants, un portail dans une grotte creusée à même la montagne pour faire 1 km. Vous pouvez pas faire juste une barque? Non, là il y a 1 km, mais de l'autre côté, entre la station et l'autre île, il y a 1 500 km. Oh là là! Alors, c'est un jeu joli, essentiellement basé sur du rangement d'objets. On s'ennuie, hein, mortellement. C'est très mais... critique. Hein. Bah, c'est ce que j'ai vu hein, pendant une heure. Oui. Avec des portails spatio-temporels de 1 km de long. Croutel, vous conseillez ce jeu? Ah, bah oui. Du coup, ça m'a donné envie, donc je vais essayer. Et puis, j'aime bien tout ce qui est rapport sexuel des poissons, mais bon, ça, c'est autre chose. On vous rappelle que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Et Laura Berlin pour. Donc, moi, je vais faire un petit point technique avec Croutel pour revoir les déplacements dans les jeux vidéo en général. Merci à tous d'être passés. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager, évidemment, on en a besoin. À balancer de la thune plein sur Croutel. Ouais, oui, des jeux. Moi, j'aime bien les jeux, là. Sinon, il y a Tipeee, il y a Utip. Si vous nous aidez pas, bah, allez vous faire f***. On a déjà ce qu'il faut à la maison. Ouais, ouais. Bref, merci beaucoup à tous. Musique, danse, Fortnite. Kékéné, tu en as marre de donner toute ta thune à Copain du Web et de n'avoir jamais rien en retour? Le pins officiel Copain du Web te permet maintenant de soutenir la chaîne tout en obtenant ce magnifique goodie tout droit sorti des années 90. Tu pourras alors parader dans la planète entière muni de ce véritable signe extérieur de richesse. De plus, eu égard à la classe qu'il te confère, tu aideras la chaîne à se faire connaître et à faire péter les compteurs. Oh yes! Excellent, excellent! Précipite-toi sur Utip et donne la somme de ton choix à partir de 8 euros. Et fais vite, hein, bordel, il n'y en aura pas pour tout le monde. Lien dans la description.